Alors ici, on est au Rocher Crespin. On est ici avec la fine équipe de Greenspeed. Moi, ce que j'aime beaucoup avec eux, c'est en fait, c'est vraiment des puristes. C'est vraiment des falaisistes du cœur. Ah ouais, moi, je suis un pur produit de la falaise et de la brosse. Des falaisistes du cœur. Un pur produit de la falaise et de la brosse. Ils aiment beaucoup équiper. Ils aiment beaucoup cette découverte, déchiffrer tout ce qui va avec. Mais ils aiment bien faire les choses bien. Alors Greenspeed, c'est une association qui a 2 ans maintenant, qu'on a créée avec Antonin Rod. On a vraiment créé cet asso parce qu'on se rend compte que l'escalade, c'est un sport atypique dans le sens où c'est les grimpeurs eux-mêmes qui vont développer l'activité, entretenir et permettre que cette activité soit pérenne. On avait envie de regrouper les grimpeurs autour de cette cause pour qu'ils puissent eux-mêmes être acteurs dans la pérennisation de l'activité, quoi, hein, entretenir eux-mêmes les voies, développer et puis respecter la nature et limiter leur impact tout simplement sur l'environnement, quoi. Et voilà. Donc la dernière falaise équipée, donc là on parle plus du développement de secteur d'entretien, ça va être la falaise sur laquelle on est aujourd'hui, donc le Rocher Crespin dans la Drôme. Cette falaise, elle est trop belle, trop belle. T'as ce pic là, cette casquette qui sort de la forêt, c'est trop génial quoi. De la falaise, c'est désinverser. Il y a un pied tous les 10 mètres. Tu prends une inverse, tu bouges 3 fois les petits pieds. C'est tout à calage. Il y a des voies d'échauffe avec des inversés, des voies dures avec des inversés. À noter qu'il y a aussi des repos, des fois, sur des inversés. Avec Carole, du coup, on grimpe dans la voie, le désir du genre. Non. Redis-moi le nom de la voie du 8B+. Le désir. Fond des ordres. Alors la voie en question, elle s'appelle le désir ou les ordres. Non. Bref, apparemment, tout le monde dit que c'est le 8B+, le plus beau de la France. C'est une voie de 40 mètres, très homogène, et avec des parties en résine, il y a un petit crux à la fin avec un jeté qui demande beaucoup de... Ah putain ! De détermination. Alors on s'est mis dedans avec Carole, et elle, ce que j'aime beaucoup, c'est une fille vraiment qui aime partager quoi. Tu peux soit griffer un pied droit en assis de pied, soit mettre un talon dans le bac à droite et tu croises dans un petit lit droit. Elle a une très très bonne technique, donc elle va pas juste chercher à tirer, à muler, elle va vraiment chercher les petites lolottes, les manières de prendre les prises et tout. Donc ça m'a beaucoup plu de grimper avec elle.
Allez, tu pars énervé, hein. Allez, allez. Allez, du rythme, hein. C'est important pour nous, ouais, qu'il y ait des grimpeurs d'expérience, avec un bon niveau, qui essayent les voies, parce que c'est une phase importante quand il y a une nouvelle falaise, hein, pour établir le topo, pour défricher les voies. Il y avait des voies qui n'étaient toujours pas essayées sur la falaise, donc que Cédric a pu essayer et enchaîner assez rapidement pour certaines. Il y en a d'autres qui vont peut-être lui poser un peu plus de problèmes, enfin, on espère. Je suis quand même un profiteur en escalade, parce que j'arrive... Il y a toutes les voies servies sur un plateau. Il y a du 9, il y a du 8, il y en a pour tout le monde. Et je grimpe. Mais en fait, il faut quand même se rendre compte que 100 personnes comme Antonin, qui brassent comme des fous pour équiper des voies dures pour nous, eh ben, on ne grimperait pas, quoi. En ce moment, j'essaye Need for Speed. Une voie qui ne veut manifestement pas de moi. Ah, putain. Ah, c'est vraiment extrême. Je me rends compte que si tu veux, enfin, entre guillemets, équiper des belles voies ou pas faire n'importe quoi, en tout cas en matière d'équipement, c'est hyper important de ne pas équiper des voies pour soi, en fait. Parce que sinon, tu stéréotypes un peu les voies, tu adaptes un peu à ce que tu voudrais, le style que tu aimes. Moi, je sais que quand j'équipe, j'essaie de m'adapter vraiment qu'au caillou. Je me dis pas, je vais aimer un mouvement ou « Ah mince, la prise, elle est trop loin. La prise à lier, c'est pas moi qui décide. Je veux faire des voies que le rocher me dicte et pas créer un truc qu'on fait déjà tout le temps, quoi. » Alors, il reste encore deux projets. Un que Cédric va éclater d'ici 5 minutes, là. Et l'autre où il nous a fait un refus de forcer, quoi, en fait. Ça fait tellement mal, ça. Mais il n'y a pas de pied, comment tu veux... Mais je passe, il n'y a rien. Bah, c'est dur, hein. Le projet, il est dur, hein. Ah bah ouais, mais c'était le but, hein. Ah bah il fallait équiper de quoi occuper un peu là, les gens pénibles qui ne voient rien sur les voies de nos modestes niveaux. Du coup, décider d'équiper une voie là, qui est juste derrière toi là justement. Et où il y a des inversées aussi, mais elles sont un peu plus petites et des pieds plus mauvais. Oui ben. Franchement c'est une voie un peu dure qui s'appelle Many Stars But No Fire. Après moi je dis que c'est dur et ils me disent que je dois forcer, je sais pas. Quand ça va tout seul, moi. Alors, il faut rappeler que Cédric, hier, s'est démonté le doigt entre une dégaine et une plaquette. Aïe. Qu'il a très mal au tendon d'Achille, donc il n'avait pas de chaussons droits. Et qu'il nous a dit que c'était impossible, la voie, parce qu'il n'est pas arrivé les mouvements du premier coup. Voilà. Si tu veux grimper ici, tu prends ça, hein, et tu fais tes prises, parce qu'il n'y a pas de prise. Ouais. Mais il n'y a pas de prise. Je n'arrive pas à monter la corde. D'arriver à suivre les Suisses. Parce que tu vois là, c'est dur. Hein. Le matin, il est 6h30, les Suisses sont déjà attaqués. Hein. Voilà, nous on est du matin, on a l'ovomaltine, on est nickel quoi, toi. Et après, on va aller à la falaise. Et puis, on va torcher les projets où on bouge pas. Je suis arrivé, il y a Antonin, il m'expliquait toutes les lignes et tout. Puis il m'a motivé à aller dans son projet. Waouh, au début j'ai trouvé ça dur, il faisait chaud et tout. Moi j'ai l'impression que c'était 9 ans.
Il m'a collé. Du coup, c'était trop bien. Moi, je suis allé dedans. Il m'a un petit peu expliqué les méthodes. Et ouais, maintenant, on pense que c'est 8, c'est plus. Mais elle est hyper technique parce que c'est tout des inversés. Inversés, 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 inversés. Dans cette falaise, tu grimpes que en inversé. En plus, au milieu, il y a quand même un crux là où faut, tu viens en pouce dans une inversée, tu ramènes dedans, tu montes ton pied à gauche, un petit truc comme ça, et là, paf, t'envoies sur un espèce de plat. Et après, c'est pas fini, hein. Faut encore se refaire et après, t'as encore des moves. Du coup, après, t'alignes les moves et tout à la fin de cette voie-là, t'as encore un crux où franchement, tu peux tomber. Tu prends une petite inversée, tu viens et tu rentres une grosse lolotte et paf, tu vas envoyer sur une prise et tu prends une espèce de porte, il faut tenir. Et après, si t'es pas con, tu tombes pas. Après, tu te refais là et tu sors. Crane Split, là, Antonin, ils font des trucs, un travail de fou. Je pense qu'on leur doit beaucoup, beaucoup, beaucoup. Parce que très clairement, sans personne comme ça, ben, y a rien, quoi. Donc ouais, c'est là, franchement, on leur en doit une quand même pour ce travail qu'ils font.